La Laetitia Roux est une course de ski alpinisme originale qui se déroule la nuit au tout début de l'hiver. Une compétition à la fois spectaculaire et conviviale sur le domaine skiable de la station de Réalon. Ils m'ont reconnu ! Une vraie compétition ouverte à tous les niveaux sportifs sous le parrainage exceptionnel de l'enfant du pays, Laetitia Roux. Laetitia est originaire de Savines-le-Lac, mais elle est aussi championne du monde en titre de la discipline. Ah ben c'est grandiose, c'est sympa, il y a des lumières partout, c'est super. Surtout pour passer un bon moment et puis aussi pour tester donc, le ski de rando en compétition. C'est celle qui est la plus jolie et la mieux organisée avec un départ déjà respecté au niveau des horaires et puis du monde au bord des pistes. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, moi je dis. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est magique. Très bien, fabuleux, bien éclairé. Même encore mieux que l'année dernière, parce qu'avec la petite descente et la remontée, là. Je suis déjà venue l'année dernière et c'est toujours aussi beau. J'ai fait la course un petit peu avec tous les jeunes et ça, c'était super sympa. Et puis avec tous les autres, et puis vivre ça avec eux, et c'était génial. C'est dur, mais c'est une très belle course. Vraiment très très beau. Ah ouais. On est même venu de jour aujourd'hui tellement que c'était beau. On savait que ça allait être beau, mais de nuit, c'est encore mieux. Hein. Et puis en haut, un parcours vraiment grandiose avec des aiguilles allumées, éclairées, avec un ballon, c'est vrai que c'était magnifique là-haut. Hein. Même on avait presque envie de s'arrêter quand on montait au milieu du parcours. La Laetitia Roux, c'est le premier rendez-vous avec la montagne en hiver. Elle s'adresse au minime jusqu'aux vétérans. Son départ est donné en front de neige à 1555 mètres d'altitude, au cœur de Réalon, la station qui domine le lac de Serponçon. La montée est régulière, elle emprunte d'abord les pistes damées pour les jeunes et les amateurs. Un éclairage féerique rendu possible grâce à des ballons éclairants à l'hélium et à des milliers de bougies. Cela permet de contempler le panorama depuis la ligne de départ jusqu'à l'arrivée, au sommet du couloir des aiguilles de Chabrières, à 2282 mètres d'altitude. La sécurité est parfaitement assurée par la présence de pisteurs secouristes et de guides de haute montagne. Des mains courantes sont installées pour la redescente au cœur de la nuit. Les moniteurs de ski de la station de Réalon prennent en charge le chronométrage dans une ambiance très amicale jusqu'en haut du promontoire qui domine le couloir final. 49, 33. Laetitia Roux est la marraine de cette course qui porte son nom. Elle est championne du monde de ski alpinisme en titre, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde et plusieurs fois sur le podium de la Pyramenta. Elle a fait cette course dans l'optique d'attirer le plus de monde et puis d'initier le plus de personnes possible. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et puis le cadre sécurisé permet même à ceux qui sont pas calé au niveau montagne de venir essayer la discipline. Le ski alpinisme est actuellement en pleine expansion, un sport de pleine nature ouvert à tous les passionnés de la montagne. Réaliser un tel événement demande un investissement financier et humain. Super, on reviendra l'année prochaine. Rejoignez-nous à Réalon pour magnifier un sport, un territoire et une grande championne, Laetitia Roux. C'est la deuxième édition de la Laetitia Roux, c'est une grande réussite et je suis ravie.